Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un petit logiciel pour supprimer tous vos spams que vous avez sur votre boîte mail et toutes les newsletters que vous lisez jamais qui servent juste à spam votre boîte mail. Donc pour ça, on va aller sur le site cleanfox.io. Donc vous aurez le lien dans la description. Qu'est-ce que c'est CleanFox? En gros, c'est une entreprise française déjà. Du coup, on va travailler avec un site français, une entreprise française. Qui a pour but de nettoyer votre boîte mail en vous désinscrivant des newsletters, spam, qui servent à rien, et de les supprimer également si vous le souhaitez. Mais ce qui différencie CleanFox des autres, des spammers, on va appeler ça comme ça, c'est qu'elle a pour but de... Elle a pour but de protéger la planète en expliquant aux gens l'impact que les mails inutiles ont sur la planète. Par exemple, il nous informe qu'un mail émet environ 10 grammes de CO2 par mail envoyé. Et que 9 messages sur 10 sont des spams, donc ce sont en général des messages que nous lisons pas. Donc c'est très simple, vous allez sur cleanfox.io, vous connectez avec votre boîte mail. En général, c'est compatible avec toutes les plus grosses messageries de mail, donc Gmail, Hotmail, Yahoo, Orange, SFR, Free. Donc moi, je vais me connecter avec mon adresse Gmail. Vous faites... En gros, là, ça vous explique les autorisations qu'il a besoin, ce qui va se passer et si vos données sont protégées. Donc... Vous inquiétez pas, vos données sont protégées, c'est juste le site qui prend l'intitulé des emails, enfin, s'ajoute une petite fonctionnalité qui permet de supprimer et lire l'entête des emails, l'expéditeur et c'est tout. Donc là, normalement, ce sera flouté, mais vous actionnez le compte qui vous intéresse ou vous connectez avec le compte qui vous intéresse. Moi, je vais me connecter avec mon compte. Donc, vous faites autoriser. Donc, moi, normalement, vous verrez qu'il n'y a pas tant de spam que ça. À un moment, j'avais... 2000 emails à traiter, je les ai traités dans une première vidéo parce que j'avais fait le tuto, mais au final il était moins bien fait, puis j'ai perdu le fichier de toute façon. Du coup, bah je recommence, mais ça m'avait pris 10 minutes pour traiter environ 2000 emails, donc autant vous dire que c'est très rapide. Ouais, bon, ça a bugué. Donc là vous pouvez voir déjà que j'ai traité pas mal d'emails, environ 6644 pour être précis. Donc il y a un concours également, j'y reviendrai un peu plus tard, mais là en gros tout ce qui est en vert, ce sont les mails que vous ouvrez souvent, on va dire, enfin avec le plus gros taux d'ouverture. Comme là vous pouvez le constater, 67% de taux d'ouverture, c'est à dire que j'ai ouvert 67% des messages envoyés par cet email. Donc quand vous êtes là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous souhaitez ne rien faire et pas supprimer les messages et votre abonnement à cet email. Du coup, vous cliquez sur la croix. Soit vous souhaitez vous désabonner, supprimer totalement tous les messages. Donc vous cliquez sur me désabonner. Mais si vous voulez rester abonné et supprimer vos anciens messages, vous faites ça. Enfin, vous faites rester abonné. Pour là, moi je sais que ça, je vais garder... Enfin, il y a beaucoup de choses que je vais garder. Comme au final, j'ai déjà fait le tri. Voilà, j'ai fini. Du coup, j'ai retiré 50 emails qui me servaient à rien. Du coup, une fois que c'est fini, vous allez dans... Que je dise pas de bêtises. Vous allez dans... Je sais pas si vous, ce sera comme ça la première fois que vous venez, comme je sais plus trop. Mais en tout cas, vous finalisez votre traitement. Donc si vous êtes comme moi, vous cliquez où j'ai cliqué ici. Et hop, ah voilà, on peut s'apercevoir depuis le début que j'utilise ce logiciel, j'ai économisé 41 kg de CO2, ce qui veut dire que j'ai sauvé 8 arbres, entre autres. Donc vous pouvez voir la totalité de ce que cela donne. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ça. C'est en gros les newsletters que vous recevez. Elles sont de quelle thématique en fait. Donc là on peut voir toutes les thématiques et là voir l'importance en pourcentage sur la totalité de vos emails. Donc je trouve ça assez intéressant afin de constater d'où proviennent plus ou moins vos emails, etc., etc. Donc je vous avais parlé d'un concours également que propose CleanFox actuellement. C'est jusqu'au, si je dis pas de bêtises, au 26, quelque chose comme ça. Donc moi j'ai déjà fait quelques points, mais du coup
je vous propose, enfin, vous pouvez gagner jusqu'à 100 € Amazon si vous êtes top classement. Donc, il y aura également le lien dans la description. Je vous conseille de suivre les petites indications ici. J'y reviens pas, mais allez voir, faites un petit tour. Et bah, juste pour finir la vidéo, si vous êtes intéressé par le moyen que j'utilise pour filmer, c'est Apowersoft. Il y a un tuto que j'ai fait il y a quelques temps. Vous pouvez le retrouver dans la description. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Mettez un petit j'aime si ça vous tente. Et abonnez-vous, comme la cadence des vidéos va s'améliorer. Enfin, il y en aura plus en ce moment. Sur ce, à la prochaine et bonnes vacances. Si vous êtes en vacances.